J'ai commencé en 2009 par la création d'un bureau d'études spécialisé dans le développement d'enceintes acoustiques, où j'ai eu l'occasion de travailler pour différentes marques, fabricants français de systèmes audio. Grâce à cette activité, j'ai acquis des connaissances en acoustique qui m'ont donné envie, en fait, de créer mes propres enceintes. Alors pour cette enceinte, j'ai voulu travailler avec un designer industriel. Ouais. Le cahier des charges, c'était d'avoir une enceinte sans aucune face parallèle. Il permet d'avoir un son totalement débarrassé de résonance, de coloration. Je considère que la signature sonore doit provenir de l'enregistrement, de la prise de son, des instruments. L'enceinte ne doit pas apporter quelque chose, elle doit simplement reproduire ce qui a été enregistré, ce qui a été joué par les musiciens. L'AR, comme tous nos autres modèles, sont équipés exclusivement de haut-parleurs à membrane très rigide. Donc soit on est sur de l'aluminium, soit du magnésium, ou alors des alliages. Ça a l'avantage, encore une fois, de pouvoir restituer le son sans apporter de signature sonore par la membrane. La membrane se déplace grâce à ce type de matériau de manière totalement uniforme, comme un piston. Contrairement aux membranes classiques en papier traité, ce qu'on trouve en gros dans 90% des enceintes du marché, c'est du papier, c'est du polypropylène ou du carbone traité. Ces membranes sont plus faciles à mettre en œuvre, ces membranes souples, mais elles apportent une coloration et un manque de dynamique dans le médium. Le gros avantage de ces membranes-là, au contraire, c'est que elles apportent un son très sec, mais très sec, très analytique, mais jamais, jamais froid à l'écoute. Par contre, et ça c'est notre valeur ajoutée, c'est que ce type de haut-parleur est plus compliqué à filtrer qu'un haut-parleur classique. Ouais. Voilà. Donc là, il y a une innovation qui a d'ailleurs été récompensée par un prix Alsace Innovation, puisqu'on nous sommes en Alsace, qui concerne la technologie de filtrage des haut-parleurs. Il s'agit en l'occurrence d'une enceinte de voix et demie. Donc nous avons une voix grave, une voix grave médium et une voix aiguë. La particularité du filtre, c'est que il va redistribuer les fréquences uniquement dans une zone optimale du haut-parleur. D'accord. Et cette zone est bien, bien précise. Bon, là, on rentre dans les détails techniques. Ouais. C'est en gros le pic de résonance de la membrane, le fractionnement de la membrane, la fréquence de fractionnement de la membrane est divisée par 3. Et là, nous filtrons le haut-parleur pour être absolument certain qu'il n'y ait aucune distorsion apportée par le fractionnement de la membrane. Ça impose l'utilisation de tweeters spécialement conçus pour pouvoir accepter des fréquences de coupure relativement basses. Ouais. Donc techniquement, c'est quand même assez pointu comme ça. Un autre avantage de l'artisanat, c'est aussi de pouvoir faire du sur-mesure, donc de pouvoir proposer, ici c'est du cuir vegan, mais on peut aussi très bien faire du cuir véritable, de très très haute qualité, évidemment ça aura une répercussion sur le coût, mais voilà, il est possible de faire par exemple avec le même cuir que sa Porsche ou que sa Ferrari, donc il n'y a aucun souci.